Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir du coup comment faire pour gagner des abonnés sur YouTube. Alors qui je suis pour vous dire comment gagner des abonnés sur YouTube? J'ai quand même réussi à passer de 0 à 1000 abonnés dans une thématique qui est très très concurrentielle et qui est en plus pas beaucoup de parts de marché sur YouTube puisque toutes mes thématiques sont basées dans le marketing et on va dire qu'il y a peut-être 1 ou 2 ou 3% des utilisateurs de YouTube qui sont intéressés par le marketing. Donc c'est pas mal et en plus de ça, j'arrive à vivre de YouTube. Donc je peux un petit peu vous repartager mon retour d'expérience sur comment gagner des abonnés, surtout qui sont qualifiés puisque ça sert à rien d'avoir des millions d'abonnés si au final, il n'y en a aucun qui achète vos produits. Ce qu'il faut, c'est des abonnés qualifiés, des abonnés qui achètent vos produits et du coup, je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo. Alors avant tout, on va revenir rapidement sur la notion d'abonnés qualifiés et d'abonnés pas qualifiés. Alors un abonné qualifié, c'est un abonné qui va être intéressé par vos produits, qui va être intéressé par vos vidéos, par ce que vous faites. Donc il va souvent regarder vos vidéos, il va souvent commenter vos vidéos, souvent aimer vos vidéos. Voilà, ça va être un abonné qui va être actif. Alors qu'au contraire, un abonné pas qualifié, ça va être un abonné qui n'est pas trop intéressé, un abonné que vous avez peut-être gagné en faisant une vidéo qui n'avait aucun rapport. Donc par exemple, pour moi, je suis sur le marketing, ça aurait pu être une vidéo, par exemple, le PSG en quart de finale. Si j'avais fait une vidéo, le PSG en quart de finale et que quelqu'un s'était abonné, clairement, il ne va pas regarder une seule de mes autres vidéos puisque ça ne l'intéresse pas. Du coup, c'est un abonné pas qualifié. Et du coup, le ratio abonné-vu est moins élevé et YouTube va moins bien référencer vos vidéos. Et du coup, votre chaîne YouTube va moins bien gagner des abonnés, tout simplement. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir des abonnés qualifiés. Pour avoir des abonnés qualifiés, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rechercher simplement les mots-clés qui intéressent vos prospects, vos clients. Donc imaginons que vous êtes dans la thématique de la danse. Vous pouvez aller rechercher le mot-clé danse, puis prendre toutes les questions qui se posent sur la danse et faire à chaque fois une vidéo par question. Au moins, les personnes seront intéressées par vos vidéos puisque c'est ce qu'ils recherchent dans la barre de recherche Google. Donc pour ça, il va y avoir plein de sites que vous pouvez utiliser. Il y a le planificateur de mots-clés qui est disponible sur Google AdWords. Il y a un site qui s'appelle Inside Yoda, il y a un site qui s'appelle Answer the Public, il y a un autre site qui s'appelle keyword.io, voilà. Vous avez tous ces sites-là, vous n'avez qu'à regarder là-dessus. Puis vous pouvez trouver plein de mots-clés qui sont recherchés sur YouTube et sur Google en fonction de si vous voulez publier un article ou publier une vidéo. Là, en l'occurrence, ça va être une vidéo, donc prenez le moteur de recherche YouTube. Ce que vous pouvez faire également, très simplement, c'est taper le mot-clé que vous voulez voir dans le moteur de recherche de YouTube, donc par exemple danse, et faire des vidéos qui ont déjà été faites. Puisque comme ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par ces vidéos-là, puisque ces vidéos-là ont des vues. Donc voilà, une fois qu'on a compris la notion d'abonné qualifié, comment est-ce qu'on va faire pour avoir des abonnés qualifiés vers sa chaîne YouTube? Donc comment est-ce qu'on va faire plus concrètement pour avoir des abonnés qui vont nous acheter nos produits et qui vont faire qu'on va vivre de notre chaîne YouTube? Puisque le but, c'est pas d'avoir des millions d'abonnés, c'est d'avoir un certain nombre d'abonnés qui soit suffisant pour qu'on puisse vivre de notre chaîne YouTube. Une fois que vous vivez de votre chaîne YouTube, les abonnés qui vont venir vont vous faire gagner encore plus d'argent. Mais voilà, clairement, après, une fois que vous avez assez d'abonnés pour vivre de votre chaîne YouTube, ça va être de la passion, vous n'allez plus avoir le stress de vouloir gagner de l'argent et ça va être beaucoup plus simple de gagner des abonnés. Ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment d'avoir un minimum d'abonnés qui va vous faire gagner un minimum d'argent pour que vous puissiez déjà vivre de votre business. Alors la première solution, ça va être de faire de la publicité. Alors je sais, il y en a qui n'ont pas d'argent, donc si vous n'avez pas d'argent, vous allez pouvoir passer à la prochaine solution. Pour ceux qui ont de l'argent et qui veulent, par exemple, investir 1000, 1500 euros dans leur chaîne YouTube pour pouvoir ensuite en vivre toute leur vie, donc c'est comme si vous investissiez, c'est comme si je vous disais, ok, vous prenez votre salaire, vous l'investissez, et une fois que vous avez investi votre salaire, vous gagnez chaque mois 1000 euros pour toute votre vie. C'est très intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. J'ai investi 1500, voire 2000, 2500 euros dans de la publicité pour acquérir mes premiers abonnés. Et du coup, grâce à ça, j'ai des abonnés qui me rapportent de l'argent. Donc certes, on peut dire que j'ai perdu 2500 euros, mais au final, si chaque mois je gagne 1000 euros, ces 2500 euros sont largement rentabilisés. Et je ne parle pas que de la rentabilité que ça m'a apporté sur le court terme, mais sur le long terme, ça m'a apporté une communauté qui voit mes vidéos. Du coup, vu que mes vidéos sont vues, elles sont mieux référencées sur Google et sur YouTube. Et du coup, vu qu'elles sont mieux référencées, elles sont plus vues, etc., etc. Donc vraiment, ça apporte vraiment un gros plus à votre chaîne YouTube pour que vous démarriez, puisque le plus dur, c'est d'avoir 1000 premiers abonnés. Le plus dur, c'est d'atteindre la barre des 1000 abonnés. Une fois que vous avez activé la monétisation, que vous avez 1000 abonnés, que vous avez des vidéos qui tournent en automatique et qui vous rapportent des clients, une fois que vous avez vos 100 premières vidéos, ça va tourner tout seul, vous allez commencer à gagner de plus en plus d'abonnés. Et une fois que la machine est lancée, vous allez pouvoir faire plus d'abonnés et plus d'abonnés et plus d'abonnés. Ça va être un cercle vicieux et c'est ce qui est intéressant avec les revenus passifs et avec les business en ligne, c'est que c'est pas comme le salariat comme ça, mais c'est comme ça vraiment, c'est exponentiel. Vous allez gagner de plus en plus d'abonnés et de plus en plus de revenus. Voilà, donc sinon, si vous n'avez pas d'argent pour faire de la publicité, ce que vous pouvez faire pour aller gagner des abonnés sur YouTube, c'est partager au maximum vos vidéos sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez. Donc moi, je sais que ce que j'ai fait également, et ce que des amis ont fait, et ce que j'ai recommandé de faire à des gens qui n'avaient pas d'argent, c'était par exemple de s'inscrire sur des groupes Facebook et d'aller parler un petit peu en vis-à-vis, en gros, si je peux dire ça comme ça,
aux personnes qui sont sur le groupe et vous leur dites salut, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, quel business tu fais, qu'est-ce que tu veux dans la vie, etc. Vous vous intéressez à la personne, puis cette personne-là va vous demander vous ce que vous faites et vous dites que vous avez une chaîne YouTube. Et croyez-moi, la personne va, si vous avez bien parlé avec elle, si vous êtes intéressé par ce qu'elle fait, elle va potentiellement, voire 99% du cas, hein, s'abonner à votre chaîne YouTube. Et du coup, bah, vous faites ça avec plein de personnes. Tous les jours, vous essayez d'avoir 5, 6, 7 abonnés, 10 abonnés. 10 abonnés, c'est largement possible par jour. Moi, je m'étais fixé l'objectif de 10 abonnés par jour. C'est largement possible. 10 abonnés par jour, vous allez parler à plein de gens, vous leur expliquez un petit peu ce que vous faites, vous vous intéressez à ce qu'eux, ils font surtout. Hein. N'allez pas chez les gens et copier-coller une phrase dans le type « j'ai créé une chaîne YouTube, va t'abonner ». Non, ça ne fonctionne pas. Hein. Vous devez vous intéresser aux gens. Donc, par exemple, vous pouvez regarder leur profil et dire « ah, salut, elle est cool ta photo, moi aussi, j'aimerais bien aller à cet endroit-là ». Voilà, ça instaure une conversation et après, vous pouvez parler de ce que vous faites. Et vous allez voir que ça va plus facilement fonctionner. En plus de ça, vu que les gens seront un petit peu vos amis, bah, ils vont plus facilement commenter vos vidéos et aimer vos vidéos. Et ça va apporter un meilleur engagement sur votre chaîne YouTube. Donc voilà, vraiment ce que vous devez faire, c'est au début, si vous n'avez pas d'argent, partagez un maximum vos vidéos à tous vos amis, toute votre famille. Dites-leur de partager. Dites à vos abonnés Instagram de partager votre vidéo. Dites à vos abonnés Instagram de s'abonner également à votre chaîne YouTube. Envoyez votre vidéo à votre liste email. Faites un maximum de choses. Parlez à des gens en face-to-face, voilà, parlez de votre chaîne YouTube et vous allez voir que vous allez rapidement réussir à avoir vos 1000 premiers abonnés. Maintenant, voilà, c'est répétitif, c'est galère au début, mais c'est ce qui va faire que votre chaîne YouTube va se lancer. Sans ça, votre chaîne YouTube ne va pas se lancer, clairement. Hein. De 0 à 1000 abonnés, c'est là où tout le monde abandonne, c'est là où c'est le plus compliqué. Après, c'est vraiment facile. Vraiment, mettez les efforts au début puisque c'est ce qui va lancer votre chaîne YouTube et vous allez commencer à réussir petit à petit. Donc oui, dans les business sur internet, dans les chaînes YouTube, dans Instagram, dans tous ces trucs-là, le plus dur c'est le début, mais une fois que vous avez votre première base d'abonnés, vous allez commencer vraiment à tout faire en automatique, vous allez commencer à vous faire connaître tout seul. Donc c'est vraiment le début qui nécessite du travail, mais une fois que vous avez fait le travail, bah, vous allez gagner des abonnés. Voilà, juste hier, j'ai sorti une photo sur Instagram, la phrase elle disait « Travaille maintenant pour vivre ensuite comme un roi pendant toute ta vie ». Donc c'est comme ça sur internet, c'est comme ça sur YouTube également. Vous devez travailler comme un fou au début pour ensuite pouvoir vivre tranquillement et laisser le référencement naturel faire les choses pour vous. Donc maintenant, on va passer à quelques petits tips pour gagner des abonnés sur YouTube. Alors le premier tips, ça va être simplement d'ajouter des annotations à la fin de vos vidéos. Alors attention, moi je ne conseille pas d'ajouter des annotations si vous dites, par exemple à la fin de la vidéo, tout comme moi, vous pouvez aller dans la description, il va y avoir une formation offerte. Si vous dites ça, je ne vous conseille pas d'ajouter ça puisque bah, les personnes elles auront deux choix possibles, soit s'abonner et aller voir une autre vidéo, soit aller voir vos vidéos dans la formation offerte juste en dessous. Donc clairement, il faut privilégier la formation offerte puisque ça va vous faire gagner de l'argent. Maintenant, si vous voulez gagner des abonnés et que vous n'avez pas encore de produit, ce que je peux vous recommander de faire, c'est de mettre le petit bouton s'abonner à la fin de la vidéo avec une vidéo à côté et vous dites à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, clairement, les personnes vont pouvoir cliquer sur le bouton et s'abonner. Et on va dire qu'il y a un certain pourcentage des personnes qui vont le faire. Ça va clairement augmenter votre taux d'engagement et votre taux d'abonnés qui vont s'abonner à votre chaîne à la fin de la vidéo. Également, ce que vous pouvez faire, c'est simplement dire au milieu de la vidéo, pendant la vidéo, allez vous abonner à ma chaîne YouTube si la vidéo vous plaît. Vous pouvez également ajouter un petit bouton abonnez-vous dans la vidéo que vous savez qui pop comme ça avec une petite musique, genre touc, comme ça, et le petit bouton abonnez-vous qui pop. Comme ça, les personnes vont s'abonner. Ça peut être également très intéressant, voilà, il y a plein de petits tips comme ça à ajouter pour gagner des abonnés sur YouTube directement grâce à YouTube et grâce aux fonctionnalités que YouTube propose et grâce à la vidéo elle-même. Alors bien sûr, sur le long terme, la méthode que je recommande le plus pour gagner des abonnés, bah, c'est très simple. Créer du contenu dans un domaine en particulier qui n'est pas trop concurrencé au début puisque sinon vous allez avoir du mal à faire voir vos vidéos. Au début, il faut vraiment vous placer sur un marché cible et après quand vous avez beaucoup d'abonnés, je dirais entre 2, 3, 4, 5 000, vous pouvez commencer à parler de mots-clés généraux. Mais au début, ciblez un marché et vous allez faire tous les mots-clés de ce marché-là. Tous les mots-clés, vous allez les prendre, vous allez faire une vidéo par mot-clé. Et du coup, quand les personnes vont pouvoir rechercher ces mots-clés-là, elles vont tomber sur vos vidéos et elles vont s'abonner potentiellement à votre chaîne YouTube. Certes, au début, vous allez avoir 10, 15 vues par vidéo par jour et vous n'allez pas forcément gagner beaucoup d'abonnés. Mais au bout d'un moment, quand vous allez avoir fait 40, 50, 100 vidéos sur des mots-clés, bah, imaginez chaque jour, ces 100 vidéos vont potentiellement pouvoir être vues par des personnes et ces personnes-là vont potentiellement s'abonner à votre chaîne YouTube. Donc après, ça va vraiment être un énorme effet de levier. Au début, vous n'allez pas avoir beaucoup, mais une fois que vous allez avoir 100 vidéos, bah, vous allez vous lever le matin, vous allez gagner 2, 3, 4, 5 abonnés sans rien faire, puisqu'au final, ce que j'ai dit avec internet, comment progresser sur internet, créer du contenu une seule fois qui va travailler pour vous toute votre vie, puisque dans 100 jours, bah, vous aurez 5 abonnés par jour qui verront votre chaîne YouTube et qui s'y abonneront. Dans 300 jours, vous aurez 1000 abonnés par jour, etc., etc., etc. Ça va faire qu'augmenter puisque vous aurez de plus en plus de contenu, donc de plus en plus de vues, donc YouTube va de plus en plus référencer vos vidéos, etc., etc., etc.
Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère vous avoir aidé à gagner plus d'abonnés sur YouTube. Si vous voulez, tout comme moi, vivre de votre chaîne YouTube en vendant vos propres produits, n'hésitez pas à regarder juste en dessous dans la description, il va y avoir une heure de formation offerte qui va vous apprendre du coup à faire tout comme moi, une chaîne YouTube rentable et à créer une chaîne YouTube de A à Z, vendre vos produits, créer votre business, tout ça, c'est expliqué dans la formation. Donc elle est gratuite, elle est juste en dessous, vous avez juste à mettre votre email et on vous envoie la formation dans votre boîte email. Sinon pour les autres, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.